êtes des milliers à nous regarder, à regarder cette matinale. Nadiam, c'est son nom sur Mirror TV. C'est alors l'occasion pour nous, une fois de plus, de vous appeler Lovely Viewers. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle de culture. Et lorsqu'on parle de culture, puisque nous nous sommes lancés dans la culture du Made in Cameroun, on va accueillir un superbe artiste. Il s'appelle, de son vrai nom, Kigné Emmanuel. Il fait du reggae et ça depuis une bonne vingtaine d'années. Ses idoles, ceux qui l'ont amené, n'est-ce pas, à se lancer dans cette chanson sont tout simplement Bob Marley, vous le reconnaissez, et surtout Alpha Blondy. C'est un promoteur culturel et un promoteur événementiel hors pair. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va l'accueillir. La Donette, comment ça va? I'm good. I'm handsomely good. He wants to say that. N'est-ce pas? Tu n'as pas eu de problème depuis que tu es là? No, I don't have any issue. I don't have any issue. As long as our viewers are always there to watch me, I'm always there to give you guys that big banana. Même si tout à l'heure il y avait un problème là. Ouais. Allez, La Donette, on prend la brève et on revient sur notre artiste, avec notre artiste bien sûr. Yes. Allez, chers téléspectateurs, on revient. Le temps pour vous d'apprécier cette petite galette musicale. Sonangondedi, Munakoko, place it up. Sonangondedi, Munakoko, Lorsa Muka, people in the place, yes, I know. Finger woman, Mamma Mia, place it up. Again, ubi ya ten dolo na beneno wa, nende ketia o wasamunja. Songele be mune be magipe bunyate. Watch a man, wende we ya lungelam. O nyamba posinde wana di be mwimba. Singa telu non le no longe ya wa. Uye ni pata jetu, tutna taki wa. Wande we iso nangonde diye na Na bake no mapita mamese Wande we Wande we Owa, owa, c'est toi again Owa, c'est toi, hey! Oubia ten dolo na beneno wa Nende ketia owa samunja Songe lebe munebe magipe bunyate Watcha Wende we ya longe lam Nyamba posinde wana dibe mwemba Singa telu ndonde no longe ya wa Uye ni pata jedu Original pinga wuma yes I know Mamma mia! Respect! Heya! African baby! I love you, I like you! Yama! Place it up! Bienvenue une fois de plus sur Nadiam. On espère que vous avez apprécié la galette musicale que l'on vous a balancée de Mokai. Mokai People, nous vous l'avons annoncé. Il est sur le plateau, La Donette. Yes, he is there. Welcome. Merci une fois de plus de cet accueil. Je suis chez moi, l'hospitalité nous a toujours été donnée et il faut profiter de vous. Je dis aussi merci. Aux millions de téléspectateurs qui regardent Mirror TV, la chaîne Latitude. Alors, Mirror TV te déroule comme ça, le tapis vert, et tu es sur le plateau de Nadiam. Déjà, qu'est-ce que ça te fait?
Je trouve que c'est une excellente initiative qui doit continuer à la même puissance. Donc, c'est très appréciant d'avoir une télévision pareille qui prône pour la culture, pour le développement culturel, en plus natal, camerounaise. Ça fait du bien. Super. Première question, je vais m'arroger ce droit-là. Je vais récupérer ce droit-là, la lunette, pour poser la question, n'est-ce pas, à Mokai People, le reggae. Pourquoi le reggae? Et deuxième question pour rentrer là-dedans, pourquoi Mokai People? Mokai People, premièrement, est un artiste, musicien, auteur, compositeur originaire de la région côtière du Cameroun. Donc, je représente tout le Cameroun en général. Mm. Et j'ai opté le reggae parce que c'est une musique révolutionnaire qui donne des nouvelles, une nouvelle réforme de la chose, de la vie. Parce que quand on parle du reggae, c'est une musique qui revendique et qui dénonce. L'originalité que je dénote dans cette chanson, et tout le monde l'a simplement dénoté avec moi, c'est que c'est en langue vernaculaire que tu fais ton reggae. Alors, d'où est-ce que c'était venu de procéder de cette manière? Oui, il faut à tout prix garder l'originalité artistique qu'on est. Je suis camerounais, je suis africain et je dois beaucoup plus exploiter ma langue maternelle qui est véhiculée des chansons avec cette langue parce que je me sens très original en cette langue. D'accord. Okay, Mokai. Thank you very much. Finally, he gave me. Ah, finally. C'est moi qui tiens à vous remercier de tout cœur pour tout le beau travail que vous faites pour nous, artistes, c'est-à-dire promouvoir notre métier, ça nous va vraiment, donc une fois de plus, merci. Okay, so I want to ask Mokai, what's your main message you're passing in your songs? The main message you are passing out to those that are listening to you, what's that main message? Oui, mes chansons véhiculent des messages de paix, d'union, d'unité, et beaucoup plus en dénonçant les vices de Babylone qui mène notre société en général, actuel, de nos jours, c'est-à-dire tout ce qui est néfaste, tout ce qui n'arrange pas la société, Rasta le dit ouvertement à travers ses chansons. Okay, Mokai, from you, you've been in the music scene for over 20 years. And when you started this music, you started by creating a group that is called Black Magic. Yeah, that was called because it's no longer existing. So I'm like, what happened? Why did you have to dissolve that group? Oui, au départ, tu sais, j'ai commencé en écoutant beaucoup plus de major et en même temps, j'ai eu une idée qui m'est venue en tête parce qu'une seule main n'attache pas un colis. Il fallait faire asseoir une synergie artistique, c'est-à-dire pour pousser. Et cette synergie, on a poussé pendant peut-être plus de 8 ans, 7 ans. Et pas mal de choses qui se sont produites avec cette synergie. Mais après, j'ai réfléchi autrement de suivre ma carrière solo parce que la musique est un sacrifice. Donc, ceux qui pratiquent de la musique, moi je trouve que c'est son grand sacrifice, il faut tout donner. On ne la fait pas parce qu'on a de l'argent. Étant même pauvre, c'est vraiment dynamique. Et j'ai reçu cette synergie que j'ai mise en pied. J'ai trouvé là des acteurs qui n'étaient pas assez actifs et qui ne pouvaient pas supporter comme moi. Et j'en ai donc décidé de suivre ma carrière solo. Entre temps, je suis promoteur d'une autre initiative, Voilà Reggae Vibration. On vient de mettre une compile dans les bacs et pas mal de spectacles, ainsi de suite, pour faire asseoir cette initiative entre temps. Donc, je quitte de Black Magic. Vous voyez, je ne dépose pas la valise. Je continue avec une autre vision, avec Voilà Reggae Vibration, c'est-à-dire marcher en groupe, marcher en masse. On est plus fort. Wow. Yeah. Super. Together. Super. Together, we're stronger together. We're stronger together. Mm-hmm. Mm. It's always, okay, together, what was that? United we stand, divided we fall. Mm. You get what I'm trying to say? It's easier to break a broomstick than you to break a bundle of broomsticks. Justement, et il l'a dit, une seule main n'attache pas un colis. Il l'a bien dit, il en faut plusieurs. Une autre question, Adrien? Yeah, I have a lot of questions. Ah, tu y vas. Mokai, you started like, this is 20 years. That you are in the music career,
Not everybody succeeds to get up to 20 years in a particular job, okay? So I want to ask you, how have you been able to maintain it? Like, sustain yourself in the music right up to 20 years? Surtout que tu es seul. Alors, depuis 20 ans, tu officies dans ce style musical qui est le tien, partie d'un groupe que tu as formé pour, n'est-ce pas, te lancer dans ta carrière solo. Quel est ton secret? Comment est-ce que tu as fait pour te maintenir? Jusqu'ici, ça fait déjà 20 ans. Oui, c'est une longue expérience. C'est vraiment une longue expérience. J'ai approché pas mal de grands frères qui exerçaient déjà ce métier ici. Si je peux citer les groupes sans publicité, il y a Congo Route, il y a Raskamensi, le feu Raskamensi qui vient de nous laisser et qu'on enterre malheureusement demain. Oh, personne. Donc voilà, il y a One Tête, monsieur Dikomba. Donc en passant avec des cahiers, Kimani, les consorts, tout ça. Et moi j'ai pris goût directement. Certes, c'est pas évident parce que le domaine musical au pays, on demande beaucoup de moyens, beaucoup de moyens, beaucoup de moyens. Donc la Malgré, je dis, elle n'a pas pris à temps parce que je suis toujours au combat, je ne lâche pas l'affaire. C'est l'amour qui va me séparer de ça. C'est une passion. Voilà, le reggae est mon épouse. Donc voilà, je vis avec cette culture depuis très fort longtemps et je suis toujours là. Je maintiens, je garde la foi. Quand jour en jour, les dons pourront changer, pourquoi pas? Tu sais, médicalement, quand tu fais, il faut être entouré de bonnes personnes et qui peuvent te donner des idées pour mieux avancer. C'est pas évident, mais il faut des personnes braves, dynamiques, qui s'y connaissent dans les choses. Bon, certes, je plane encore, mais j'ai confiance que dans ces quatre, ça, la mayonnaise prendra. D'accord. Donc, Ben, I told you earlier that I'm a queen, I'm a princess, you know. Je te concède tout cela, la donnée. Tu termines avec tes questions. J'en aurai encore d'autres. Et puis on va terminer. Smooth guys, please. I need you to just give me one a cappella, one reggae, a cappella, reggae sound. Let me shake my hair. You know, Okay. La donnée, elle aime l'ambiance. Hein? Faut que je te le check. Vert, jaune, rouge, les couleurs de l'Afrique unie. Vert, jaune, rouge, Mama Africa, unity, peace and love. Vert, jaune, rouge, hey, les couleurs de l'Afrique unie. Vert, jaune, rouge, Mama Africa, unity, peace and love. Rastafari. Super. C'est de l'ambiance sur ce plateau, hein, la donnette. Ça sort. J'étais remarqué secouer les cheveux, là. En off, il y a Stéphane King qui disait tout à l'heure que tu t'es coiffé pour la circonstance. Voilà. Alors, Mokai People, après nous avoir balancé cette ambiance qui nous a carrément captivés, je suis sûr et certain que quand ils regardent dans leur petit écran de téléphone, ils se disent « Waouh, le Cameroun a du talent, vraiment ». Alors, je m'en vais te poser la question de savoir comment est-ce que tu fais pour allier tes autres occupations à la musique que tu fais aujourd'hui? Ouais, son planning, certes, avec la musique, on n'a pas de temps. Ça vient à tout moment parce qu'on s'inspire aussi à tout moment. Le quotidien, au jour, nous inspire à tout moment. À chaque fois que le quotidien t'inspire, tu prends un bout de papier, tu écris, même en faisant autre chose. Ouais. Mais il y a toujours une mélodie qui passe dans ta tête. Donc voilà, tu enregistres, tu mets dans un dictaphone. C'est continuel. Donc tu marches avec la musique. Le planning, c'est le secret. Le planning, c'est le secret. Ouais. Le planning, c'est le secret. Alors, moi, je vais poser une question, mon avant-dernière. Hein. Voilà. Est-ce que ton cœur est pris déjà, Kai? Parce que certainement, il y a beaucoup de jeunes filles qui se disent, ce talent-là, je veux l'avoir pour moi. Est-ce que ton cœur est prêt? Bon, tu sais, Rasta en général... Il paraît que celle-là, tu ne la voyais pas venir. Rasta en général, il est beaucoup plus réservé. Tu vois, un peu, c'est une belle question, belle et réservée. Donc, pour le moment...
Qu'est-ce qui va sortir? C'est confidentiel, c'est confidentiel. Ok, ok. Okay. On va garder la confidentialité. Voilà, hein? Voilà, on va garder la, la confidentialité. La dernière question que je vais te poser, c'est quelle est ta vision globale et futuriste, n'est-ce pas, du reggae camerounais aujourd'hui? Comment tu envisages cela? Comment tu vois cela à l'avenir? Je pense que le Cameroun est pétri de talent. Et selon moi, mon concept à moi, c'est d'être un artiste mondialement reconnu par l'originalité de mes œuvres, participer à l'épanouissement de l'être humain, éduquer, enseigner toute forme de vie, vulgariser ma façon de choses, ma musique, mes textes et ma culture. Donc voilà à peu près mes objectifs. Mais je crois qu'au Cameroun, on en trouve des talents. Mais comme j'en ai souligné tout à l'heure, la musique, c'est des finances. Mm-hmm. Qu'on peut être bourré, pétri de talents, mais il faut avoir des finances. Le nerf de la guerre. Concrétiser ce que l'on fait. Et en même temps, le terrain reggae n'est pas tellement ici au pays, mais nous, on s'efforce de ne pas aller ailleurs et de faire asseoir cette culture chez nous parce qu'elle vient de nous. Elle vient de chez nous. Le reggae, c'est une culture africaine. Ouais. Donc, on ne peut pas aller ailleurs pour développer cela et laisser notre Cameroun. Donc, on s'efforce. Au fur et à mesure, on sait que les donnes vont changer. La marionnette prendra, pourquoi pas. Super. Super. Et on en manque des promoteurs. Beaucoup plus de promoteurs. C'est-à-dire des gens qui doivent faire confiance à cette culture. Et mettre en tête que c'est pas une culture envoûtante, c'est pas la délinquance. Okay. Donc c'est l'intelligence. Donc voilà, et pas forcément ceux qui emportent les dreadlocks qu'on voit un peu de partout, qui sont Rasta. On est Rasta dans le cas. Rasta sont l'état d'esprit. Ah, super. Voilà, et ça. Nanette? You know, I don't know, a word just came to my mind. I want to keep you back. Tu veux la garder, tu veux le garder sur moi. Tu veux le garder? La rastalisation. Ah, ça c'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot. Allez, la technique nous fait de grands signes, hein, on va dire, n'est-ce pas? Salut à tous les de ma vie qui me redonnent confort et le sourire. Les fleurs sont apparues dans le foyer. Le temps de la taille de la vinagaine est arrivé. Laisse-moi te dialoguer. Franchement, y'a ton regard m'a drogué.